Salut Mikicho et Miku, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un concept un peu original qui est surcoté ou sous-coté. Je ne sais pas si vous connaissez, normalement, oui, vous avez peut-être déjà vu ça quelque part ou vraiment entendu ce concept-là ailleurs. Bien évidemment, moi, je l'ai fait à ma façon et j'espère que ça vous plaira. Je vous invite à vous abonner et à liker pour soutenir cette vidéo et la chaîne, bien évidemment. Merci à vous. Nous passons au premier qui est le fauteuil. Vous avez voté pour sous-côté. Bien sûr, ça a été fait via Instagram, tout ce concept de vidéo. Vous avez participé et je vous remercie infiniment. Le fauteuil est côté, je confirme, j'aurais dit la même. On est mieux sur le canapé pour ma part. Un fauteuil, ça peut être bien, mais voilà, c'est mieux le canapé. Nous allons passer au suivant, qui est la tablette de chocolat au lait. Bien évidemment, qu'on préfère au lait, qui est sur-côté. Je vous confirme totalement, je suis avec vous pour cette réponse là. Nous passons au réglisse qui est surcoté et j'aurais pensé qu'il aurait été sous-coté vu qu'il y en a plein qui n'aiment pas le réglisse. Pour ma part, je préfère celui qui est en rond comme ça. Il y a que celui que j'aime pas. J'adore le dérouler tout là en le mangeant. Quel plaisir. Moi j'aime bien. Et j'en ai mis surcoté aussi pour ma part. Nous passons au suivant qui est la tablette de chocolat blanc. J'aurais mis sous-coté et vous avez mis sous-coté aussi. Je comprends tout à fait. Je suis pas trop fan du blanc. Je mangeais un petit bout, vraiment tout petit bout, mais pas plus. Mais alors le chocolat au lait, je pourrais en manger une tonne, une tonne, une tonne. Nous passons au suivant. Le tabouret. Vous avez mis sous-côté. Je comprends. J'aurais mis la même. Je préfère une chaise quand c'est à le dos bien calé et tout. Alors qu'un tabouret, bon, ça peut être stylé. C'est stylé que les bas. Les grands tabourets, c'est stylé. Mais les petits tabourets, je trouve ça plus utile quand t'es petit ou autre. Mais pour ma part, un tabouret, je me sers de des genres de petits escabeaux où tu crèmes dessus pour attraper quelque chose en hauteur. Trop petit, tout simplement, voilà, très utile pour s'asseoir dessus pour ma coup. Passons au suivant. Le pantalon, vous avez mis sur-côté. Ouais, bah ouais, ça, c'est une chose qu'on met tous les jours au quotidien. Quand je vous ai mis ça, j'avais hésité à vous mettre le jean ou le pantalon, mais le jean c'est plutôt une marque. Alors, si vous voulez un autre sur-côté, sur-côté, mais avec des marques, par exemple, Fresh Tagada, tu vois, c'est une sorte de marque, comment ça s'appelle comme ça. Par exemple, Haribo, Milka, Kinder, jean. Je sais pas si jean ça fait partie du côté marque. Pour moi, oui. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous. Le pantalon, c'est la base, quoi. C'est le pantalon, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. Et j'aurais mis totalement sur-côté aussi. Nous passons au suivant. Le t-shirt à manches, j'aurais mis sur-côté, mais vous avez mis sous-côté. Dites-moi dans les commentaires pourquoi sous-côté. C'est stylé, un t-shirt à manches courtes. Je préfère porter ça qu'un manche long. Les manches longues, je les porte juste en hiver. Les manches courtes, c'est mieux, tu vois. C'est beaucoup mieux. Passons au suivant, qui est les t-shirts à manches longues. Et vous avez mis sur-côté. Alors vous préférez les manches longues aux manches courtes. C'était un peu la logique des choses. Si on m'aurait dit l'un non et l'autre non, il y aurait un truc illogique. Pour ma part, ça c'est un peu plus sous-côté. Mais voilà quoi. Non, c'était le dernier, pardon, excusez-moi, ça faisait 10. Je vous avais fait 10 sur-côté, j'avais pas compté. Et ben c'était la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'était vraiment une petite vidéo. Voilà, je tente d'essayer de trouver des concepts. Si jamais vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas dans les commentaires. Et pour l'idée du sur-côté, sous-côté, version marque, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous ferai bien sûr participer sur Instagram, vu qu'il n'y a que comme ça que je peux vous faire participer via des votes, pour moi c'est plus simple. Nous sommes pour tout le monde, je pense. Fait que je vous invite à me suivre sur Instagram pour être au courant de différentes choses. J'essaye de poster régulièrement quand je peux. Des fois, je vais poster beaucoup en une journée et des fois, pas du tout en quelques semaines. Mais bref, j'essaye d'être présente sinon tout en sur Discord. Sur ce, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, les gars. Tchuss!